Questa mattina due sindaci della Francia sono in visita nella casa comunale di Melito Portosalvo, Gérard Dilloux e Jacques Matteau, con l'augurio di un futuro gemellaggio nel paese melitese. Una gradita visita a sorpresa di due colleghi della Francia che ci ha accolto un po' alla sprovvista. Noi diciamo che l'augurio è appunto quello che diceva Francesca, la nostra Francesca, di poter in prossimo futuro fare un gemellaggio con la Francia, di avervi nuovamente qua con noi in veste ufficiale, non così a sorpresa, anche se queste sorprese speriamo che ci siano in futuro, in un futuro con più con una maggiore frequenza. Non so cosa potrei dire altro. Melito in questo momento offre poco, avete trovato forse un paese un po' abbandonato e noi ce la stiamo mettendo tutta. Mi posso impegnare a dire che anche io verrò a trovarvi in forma privata, ma l'augurio è che questi incontri possano diventare incontri istituzionali e che Melito possa attrarre tanta gente, non solo persone che hanno emigrato forse all'età di 18 anni come l'amico Lorenzo, forse qualche anno in meno, quando 17 anni quando è andato alla Francia, e che quando può torna a trovare i propri parenti e ritrova un pezzo di storia e un pezzo di cuore. Quindi io adesso non voglio rubare tanto tempo, vorrei che fossero gli amici, i colleghi francesi a parlare, dico amici perché li sento vicini per il tramite di Lorenzo, e quindi faccio valere con un pizzico di presunzione questa diciamo amicizia transitiva. Essendo amico io di Lorenzo, posso dire che sono amico di Gérard e Jack. Adesso vorrei appunto sentire qual è la loro impressione, come hanno visto Melito, cosa li ha colpiti di più, se hanno qualche suggerimento da darci per appunto far trovare a chi verrà in futuro un Melito migliore. Tout d'abord, je voudrais remercier le Sindato pour nous accueillir ici avec mon collègue Jacques à la mairie de Melito. Et tout simplement vous dire que c'est vraiment un plaisir d'être présent ici en Calabre, et que la première chose que nous devrions faire, nous Français, c'est d'apprendre l'italien. Parce que malheureusement, je ne suis pas issu de l'immigration italienne, puisque je suis français de souche, et le français, c'est bien connu, est un peu allergique aux langues étrangères. Mais dans tous les cas, le fait qu'il y ait une forte communauté italienne et aussi calabraise dans notre région peut favoriser à terme les échanges entre la commune de Melito et les communes de Herserange et de Haucourt. Et nous serions très honorés effectivement d'engager cette coopération, ce jumelage dans l'avenir. Et il est évident qu'on pourrait avoir ces échanges tant sur le plan sur les plans culturels, sportifs, voire économiques, pourquoi pas, dans le cadre des échanges multiples qui peut s'organiser entre deux territoires qui n'ont quasiment rien de commun que le lien entre des gens, tout simplement. Est contente de venir ici, est contente de faire un gemellage, est contente de cambiare les choses de lavoro et compagnie, e dice pure che ci stanno molti calabresi in Francia che sarebbe contento di fare il gemellaggio e cambiare pure le idee. Moi je voudrais remercier aussi le maire de Melito, disons, pour cet accueil, disons, chaleureux. Nous avons été très surpris parce que nous étions partis en vacances et nous retrouvons, disons, dans la mairie de Melito, disons, pour un jumelage, disons, un futur jumelage fructueux. La mairie d'Haucourt-Moulaine, alors la mairie d'Haucourt-Moulaine est un peu particulière puisque, disons, la mairie comprend trois écarts, comme Prunella,
et différents villages voisins, hein, Saint-Charles, à 4,5 km d'Eaucourt Centre, la mairie, Moulaine, alors cité sidérurgique, cité dortoir sidérurgique, avec beaucoup d'immigrés italiens. La cité, disons, minière à 1,5 km de 250 habitants, la mine est fermée, et le village proprement dit, disons, la ville de Haucourt, qui est la mairie, disons, du pays. Je dirais que la commune sont très paisée. C'est Haucourt Centre, Haucourt Saint-Charles et Haucourt Moulaine, capisce? Et prima là, c'era la mine est chiusa. La mine. La mine, è tutto chiuso, non c'è più. Saint-Charles, cité, dortoir, sidérurgique. Saint-Charles era l'usina che aveva fatto la... Centro siderurgico. Bueno, centro, l'usina che aveva fatto tutte le case, capisci? E adesso tutta la comune che ha tutto preso tutto e ognuno ha comprato la sua casa. Ti ringrazio dell'accoglio che ci hai dato tutto. Io vi invito a visitare Pentidattilo, a portare con voi qualche, vi omaggerò io, siamo in questo momento spiazzati, non eravamo preparati, vi farò avere la nostra essenza del bergamotto, che è il nostro frutto tipico, che si fa solo in una fascia limitata. Il bergamotto non si fa, si fa solo in una fascia limitata, solo in provincia di Reggio Calabria. La pianta, questo agrume, non attecchisce a Roma, a Milano, a Genova, quindi è una peculiarità del nostro territorio. Vi invito a assaggiare anche il risotto al bergamotto. So che siete stati ieri in visita in un'azienda agricola del posto dove avete mangiato la ricotta. Io vi invito a portare in Francia queste esperienze, a parteciparle, per far sì che tanta gente possa ritornare da noi, anche se non ha radici nel nostro territorio. Oui. C'est la première fois, c'est la première fois que je viens en Calabre. J'ai fait l'Italie, Rome, Florence, et puis maintenant la Calabre. C'est vrai que l'Italie est un beau pays. On est séduit ici par le climat, parce que chez nous actuellement c'est encore la fin de l'hiver, même si c'est le début du printemps, et le climat. Le climat ici est très clément, c'est-à-dire très doux pour nous à ce moment de la saison. Alors, vous avez peut-être des particularités culinaires comme la bergamote ou le risotto, etc. Nous, chez nous, on n'a pas de particularités culinaires, ou alors il y en a beaucoup, mais qui sont issus justement des différentes immigrations, hein, aussi bien italiennes que maghrébines, que polonaises, que des pays de l'Est. Par contre, les spécialités que nous pouvons avoir et qui est l'élément porteur de notre bassin de vie à nous, de notre agglomération, ce sont les émaux de Longwy. Je sais pas si, les émaux de Longwy, et puis le site Vauban. C'est-à-dire qu'on a une forteresse Vauban, et ce sont les deux vecteurs reconnus au niveau de l'UNESCO, au niveau mondial, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO, et ce sont les seuls les éléments porteurs qui sont pour la région. Comme le disait Jacques tout à l'heure, on a aujourd'hui encore du mal à sortir de l'esprit que nous avions autour des mines et de la sidérurgie, qui a fait la richesse de notre territoire pendant un siècle et demi. Et 30 ans après les grosses fermetures d'usines, on a encore économiquement du mal à s'en sortir, et on a de la chance de pouvoir travailler au Luxembourg, parce que la main-d'œuvre aujourd'hui s'en va travailler au Luxembourg. On a en général un travailleur sur deux qui va travailler à l'étranger, en Belgique et au Luxembourg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre région
ne fournit pas le travail nécessaire à toute la population. Et on a cette chance d'avoir cette proximité du Luxembourg. Prima c'era l'usina e c'era molto lavoro, capisci? Adesso ha detto te l'ha detto che per noi c'è la fortuna che abbiamo Lussemburgo di fianco e c'è un operaio su due da noi che lavora a Lussemburgo. Anche tutti gli emigrati che sono stati con noi, come noi, mio figlio per esempio lavora a Lussemburgo, capisci? Quello che ti voglio dire. E la ricchezza dell'Ungui e le Zemo. Le Zemo sono due comuni vicini. L'usina che fanno i piatti che metti sul tavolo. Sì. Decorati, i vasi, patrimonio dell'UNESCO, che fa partire del Lazio, come si è detto, come si appella l'ultimo che ti arriva? Le Vauban, le Rempart. Le Rempart, ça fait partie du Vauban, del truc mondial, come si dice, l'UNESCO. La fortuna è quella là, questo è qua, l'UNESCO, le Vauban fa parte dell'UNESCO. A partire dall'UNESCO. Prima di chiudere, naturalmente ho voluto lasciare per una cosa molto importante come ultimo momento di questa, per riservata a questa visita, un nostro pensiero, il pensiero di tutto il mondo per quello che la Francia, in maniera particolare in questi ultimi giorni, in quest'ultimo periodo, sta subendo, mi riferisco agli attacchi terroristici. Io con un abbraccio voglio esprimere la solidarietà di tutto il Comune di Merito a tutte le vittime di questi attacchi terroristici, non solo francesi ma di tutto il mondo. Quindi con un abbraccio ora vorrei partecipare alla solidarietà dell'intera cittadina di Merito per il tramite dei colleghi sindaci a tutte le vittime delle stragi, delle ultime stragi. Bien, on vous remercie pour cet hommage que vous rendez à la France, mais je crois que le terrorisme aujourd'hui, il est mondial. Et cette mondialisation, elle est beaucoup plus, elle est très inquiétante. Et dernièrement, Bruxelles, en Belgique, a été touchée. C'est d'ailleurs à cet aéroport que nous avons pris l'avion pour venir ici en Calabre. Mais nous n'avons pas peur, hein, parce que le terrorisme ne nous fait pas peur, et parce que tout simplement que ce ne sont pas... C'est la force du... cette force terroriste, c'est pas celle-là qui va nous empêcher de vivre, c'est pas celle qui va nous empêcher de vivre de venir en Calabre, de nous déplacer, parce que la force, elle est en nous et on n'a pas peur. Mais dans tous les cas, on vous remercie de votre soutien. Et ce soutien, eh bien, on le relaiera chez nous, même si, à titre personnel, nous n'avons pas été touchés, mais nous avons souffert gravement et on souffre encore gravement pour tout le terrorisme qu'il y a sur cette terre, malheureusement. Attacchi terroristici vicini al loro posto, però sono solidali e hanno sofferto e soffrono ancora per quello che è successo a Parigi e a Bruxelles, tanto che non sono riusciti a prendere l'aereo perché l'aeroporto è ancora chiuso. Dobbiamo coltivare questa speranza che questi attacchi terroristici possano, diciamo, già essere finiti. Quindi accendiamo la speranza e condanniamo qualsiasi gesto di terrorismo, di vandalismo, a prescindere da qualsiasi parte esso proviene. E la speranza è che i nostri figli, i nostri nipoti, il nostro domani possa vedere un futuro roseo, un futuro all'insegna dell'amicizia e non della violenza, dove la pace sia il cavallo di battaglia di tutti noi altri e del nostro futuro. Speriamo di poter venire presto in Francia e l'augurio è che voi con la vostra famiglia, non più come sindaci, ma con i vostri nipoti, i vostri figli, venite presto a trovarci a Merito. Eh bien, il faut qu'on fasse le nécessaire pour que, effectivement, on ait le plaisir de vous accueillir chez nous, en Lorraine.
en France. Et nous aussi, le plaisir de revenir ici aussi en Calabre, parce que c'est vraiment une belle région. Nous avons eu l'occasion de nous promener dans la nature. Il faut qu'on mette les conditions pour que rapidement, ils puissent venir aussi chez nous, pour aider, et qu'on revienne en Calabre. Vous mettez un rapport, vous mettez les conditions. Faut mettre les conditions et que venez le plus près possible de nous. Aussi, il faut cambiar le plus près possible. Que soit d'accord. Hein? Et puis nous aussi, revenir en Calabre. Et alors, voglio venire ancora in Calabria. Lo faremo al più presto, ci organizzeremo per fare questo scambio e naturalmente senza sorprese, così ci attrezziamo per imparare qualche parola in più in francese e non essere azzoppati. Je pense que dans un premier temps, disons, le maire de Melito devrait venir, disons, à Erserange et à Haut-Courmoulaine pour permettre, disons, la définition du jumelage. Lui pense que le premier subito, enfin, le plus possible, deve venir da noi per discutere come si deve fare le jumelage tout. Lui aspetta il plus possible. Ce qui permettrait, disons, à nos habitants, les habitants de Melito et les habitants d'Erserange et de Haut-Courmoulaine, de faire des... voilà. Qui permettait soit les habitants de la gente di là et la gente di qua, et se vedono... Lo faremo, quindi lo faremo al più presto, e per la prossima occasione vedremo di attrezzarci pure con qualcuno che qualche parola in più di francese riuscirà a... Ringraziamo la dottoressa Politi, colgo l'occasione di dargli ufficialmente il benvenuto, anticipare il benvenuto. La dottoressa viene da Napoli e a comando Antonella Politi, è una figura C, quindi il comune si dota di una nuova figura professionale. Colgo l'occasione di ringraziare per la disponibilità Melito TV, Dario, Pippo e Francesca, e adesso se loro vi vogliono fare qualche domanda, io vi ringrazio di cuore a nome di tutta Melito per la vostra visita graditissima, e l'impegno è che anche se non istituzionalmente, a livello personale presto verrò in Francia a farvi a ricambiare questa visita di cortesia, e metteremo, diciamo, accenderemo oggi già le procedure per avviare questo gemellaggio e far sì che possa nascere un'amicizia tra, non solo tra di noi, ma tra tanta gente della Francia, del vostro comune e gente di Melito. Grazie ancora. Sì. Io vi farò avere la nostra essenza di bergamotto, la portare in Francia. Mi farei più presto possibile, che se lui che va lì, provare con gli studi. Che va un po' fare. Lei è persuale, ti ricerca quella casa. Siamo con i sindaci Gérard Didelou e Jacques Marteau. Nel corso del vostro viaggio, quali sono gli aspetti che vi hanno colpito maggiormente e quali potrebbero essere gli input e gli stimoli migliori per migliorare la cittadina melitese? Il y a plusieurs choses. La première, moi j'ai été surpris par la dimension l'urbanisme. L'urbanisme m'a paru un petit peu particulier dans la mesure où certaines maisons ne sont pas toujours terminées. Chez nous, on ne voit pas ce genre de choses. Par contre, ça c'est ce qui concerne l'urbanisme, mais il y a beaucoup de choses comme par exemple la nature et le climat qui sont magnifiques, surtout en cette saison. Et nous avons fait plusieurs promenades en montagne et dans la nature, et c'est vraiment, vraiment une région merveilleuse, merveilleuse terre d'accueil. C'est vrai qu'on a été un petit peu surpris par la dimension, par l'organisation urbaine, qui n'est pas du tout la même que chez nous. Mais dans tous les cas, c'est ce qui fait aussi la particularité et le charme de la Calabre.
tutti, ci stanno molte case che non sono finite, da noi non è così. Altrimenti ama tutta la natura che c'è qui vicino, tutto così. Siamo stati in montagna, gli è piaciuto molto pure, gli piacerebbe. Moi déjà, disons, j'ai été agréablement surpris par l'accueil des habitants, disons, de Melito, hein, surtout de Prunella, puisque, disons, M. Ravenda, disons, hein, nous a invités, disons, dans sa maison de Prunella. Mais l'accueil des habitants était très chaleureux. Hein. De l'accueil qu'il y a eu. Del paese di Prunella, ringrazio che l'ho invitato e che è contento del paese. Et au point de vue touristique, nous avons vu de magnifiques, disons, villages qui sont, disons, particuliers, disons, à la Calabre. D'ailleurs, le village, je ne sais pas comment... En montagne qui est, disons, un peu troglodyte, hein, puisque les pièces sont dans le rocher. C'est magnifique ça, disons, on a pris de très belles photos, disons, là. Et puis, il y a des promenades, disons, superbes, disons, où on voit, disons, la mer. Ça, c'est, disons, c'est encouragé, disons, pour le tourisme, disons, qui viendrait en Calabre. C'est très bien didattolo, che c'è una bella vista quando si va in alto, là, sopra. Ieri siamo stati affossati, tutto gli è piaciuto, gli piace molto, che è molto turistico. E che gli piacerebbe tornare ancora. Pentedattilo, bergamotto, accoglienza e il mare sicuramente sono tratti distintivi di Melito Porto Salvo. La vostra visita a sorpresa sarà anche un preludio di una prossima, di un prossimo gemellaggio. Voilà, je vais reprendre aussi un petit peu les propos de Jacques. On a été très surpris par l'accueil des gens déjà, parce que je crois qu'une région, c'est avant tout des gens, des personnes. Et l'accueil est formidable. Et au plan des paysages, c'est vraiment magnifique. Le bord de mer est magnifique. Hier encore, je suis allé me promener sur les hauteurs de Prunella. Et j'ai encore pu découvrir des panoramas extraordinaires sur la mer. Et la saison se prête aujourd'hui à montrer toute la floraison et les fleurs qu'on peut trouver dans la nature, dans la montagne. C'est vraiment magnifique et on a été agréablement surpris. Et en matière gustative, parce que les Français sont gourmands, eh bien, on a pu découvrir des saveurs nouvelles, comme vous disiez, entre autres la bergamote, mais aussi des éléments que nous connaissions de nourriture, comme par exemple hier les fèves. Nous, on les mange crues, ici on les mange cuites. Et c'est une découverte parce que c'était très bon, délicieux. Nous avons aussi découvert une autre forme de... comment ça s'appelle déjà de... Des pâtes. Les pâtes là. La. Ah. En feuille là. Les pâtes. Ah, la pasta forte. Alors, un délice. C'est encore une fois vraiment une découverte. Et c'est vrai que ces éléments-là qu'on découvre, on peut aussi, dans le cadre d'un jumelage, les faire découvrir aux autres. Sauf que faire découvrir la mer et la nature, il faut les faire descendre. Mais dans tous les cas, on n'est pas surpris de ce qu'on découvre, parce que les Calabrais qui vivent chez nous, en France, en Lorraine, nous avaient dit, eh bien, vous verrez, vous allez vraiment être enchanté de découvrir la Calabre parce que c'est vraiment merveilleux. Voilà déjà l'image que nous renvoyaient les Calabrais d'origine calabraise déjà avant le voyage. Donc vous voyez que des éléments sont réunis aujourd'hui
pour que le jumelage puisse se faire, puisque la seule barrière aujourd'hui, c'est un petit peu la langue, et on pourrait peut-être bien faire des efforts pour, nous les Français, faire des efforts pour la découverte de la langue italienne, enfin la découverte, la compréhension tout du moins, puisqu'on la connaît, de cette langue d'ailleurs merveilleuse, aux intonations d'ailleurs merveilleuses. Detto che è formidabile, c'è un buon sonino, che è tutto fiorito, non l'ha visto mai, ha fatto sempre fotografie che è tutto fiorito, e gli è piaciuto molto. Eh? Mia cognata gli ha fatto le paste al forno, non aveva mai mangiato le paste al forno così, ma lo sapeva già perché le calabresi che ci stanno là, conosce anche altre calabresi, gli avevano parlato della Calabria, che è molto bello, che c'è molto da mangiare, gli era mangiato i favi. Le favi alla padella, fritti, non l'ha mangiato mai, gli hanno piaciuto molto. Lui li conosceva crudi, così si dice. Ieri l'ha mangiato alla padella, gli hanno piaciuto molto. E li mangia ancora oggi. Beh, è contento proprio di qua, del paese che gli piacerebbe, che è molto turistico. Un ringraziamento ai sindaci e a presto. Mon collègue Gérard et moi-même sommes très heureux, disons, d'avoir été accueillis très chaleureusement par le maire de Melito, et nous souhaitons vivement le revoir bientôt à Erserange et à Haucourt-Moulaine. Et encore merci de l'accueil que l'on a eu en mairie de Melito.